Bonsoir, une fois de plus, je suis avec vous, je vous l'avais annoncé. Parlons un peu du Grand Ouest aujourd'hui. Pour qu'on sache effectivement, parce que j'avais parlé aussi des anglophones, j'avais promis pour dire que, attention, la zone anglophone, je vais vous associer dans ce grand dialogue, dialogue national sur le web. Voilà, puisqu'on nous en refuse et tout, il faut qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on soit une force demain pour pouvoir revendiquer nos droits. Alors, je vous disais, le rapprochement entre les anglophones, la reconstruction du Grand Ouest et le rapprochement avec les anglophones, l'affiliation qui existe entre les anglophones et les Bamlékés, qui est une filiation familiale. Ce n'est pas de proximité et tout, mais familial. Pour que vous compreniez l'exercice que je vais faire tout de suite, c'est qu'il faut que je vous prenne l'exemple de la Russie, la grande Russie, l'Union soviétique. Vous savez, dans les années 90-92, lorsque le vent de la perestroïka, initié par Gorbatchev, à l'Union soviétique arrive. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique, c'est un conglomérat d'États et tout aussi vaste que la Chine, qui est une puissance militaire mondiale, mais qui n'est pas une puissance économique, qui n'est pas une puissance en tant que telle. Parce que 75% de l'économie russe soviétique était destinée à l'armement pour rester au sommet, pour être l'équilibre du monde face aux États-Unis. Alors, Gorbatchev a sa petite idée. Il pense qu'il faut décentraliser, il faut faire la réforme agraire, il faut libéraliser les États qui forment l'Union soviétique pour pouvoir se développer économiquement et tout. Mais les Occidentaux trouvent en ça une opportunité de détruire l'Union soviétique. Et ils soutiennent Gorbatchev dans sa perestroïka. Gorbatchev n'a pas vu venir qu'en fait, le soutien des Américains et des Occidentaux, c'était pour affaiblir l'Union soviétique et tout. Alors, on sait ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu même des traités, des traités avec le temps, entre l'Union soviétique et le temps, pour ne pas être aux portes de l'Union soviétique ou bien des pays sortant de l'Union soviétique, ne pas traiter avec le temps ou bien les Occidentaux pour être des adversaires de la mère patrie qui est la Russie. Nous savons ce qui s'est passé. La chance pour les Russes, ils ont eu un certain Vladimir Poutine qui arrive à Russie. Et ils décident de reconstituer la puissance de l'Union soviétique à partir de la Russie, à partir de Moscou, et de reconquérir le monde. On connaît la suite. On connaît la suite. Par la suite, reconquérir certains États qui devraient être des États clés pour pouvoir entrer en Russie. On connaît la suite, comme la Crimée. Bon, je voulais prendre ça pour vous dire que c'est la même chose qui s'est passée avec le peuple, le Grand Ouest. C'est-à-dire qu'en divisant le Grand Ouest, c'était pour fragiliser les deux peuples qui ont subi ça, c'était les Bassa et les Bamlékés. C'est pour cela que l'alliance Bassa-Bamlékés on ne peut pas penser autrement. Il y a des Bamlékés qui ont pensé que les Bassa étaient des gens à éviter et qu'ils ont inculqué ça de génération en génération. Il y a les Bassa qui ont toujours pensé que les Bamlékés se sont enrichis sur leur dos, je ne sais pas comment, je l'ai déjà démontré et tout, et que tout ça c'était les balivernes. Donc vous savez, à l'époque, certains de nos coutumes étaient basés sur l'égoïsme, l'égocentrisme de certains qui voulaient garder pour eux toutes les dividendes d'une certaine chose, et puis qui sortaient parfois des lois dessus pour dire « Ah, les femmes ne doivent pas manger ceci, ah, les jeunes ne doivent pas manger cela » et tout, parce que les pères en avaient besoin. Alors, par rapport à certains Bamlékés qui pensaient, je ne connais pas encore les raisons, on va les retrouver de par mon équipe, bien constituée aujourd'hui, qui pensaient que les Bassa étaient infréquentables,
Parce que justement, il y a une partie de vérité qui est là. Les Bassas ont fait preuve de beaucoup de traîtrise durant des générations en générations. Mais malheureusement, ma foi, on ne peut pas prendre tout pour mettre sur l'ensemble d'un peuple. Et aussi les Bassas qui pensaient que les Bamileke ont trahi. Pendant qu'ils faisaient la guerre, les Bamileke s'enrichissaient derrière. Je vous ai dit, les Bamileke sont entrés dans la guerre. Ils étaient dans la revendication nationaliste, mais ils ont proprement pris les armes après la mort de Oum Niobe. Donc il n'y a pas raison de croire quelque part que les Bamileke se sont enrichis derrière. Et les Bamileke ne sont pas venus empêcher les Bassas d'aller faire quoi qu'on soit pour s'enrichir. Ou bien, on ne peut pas, jusqu'aujourd'hui, aller demander à ceux qui vous ont raconté cette histoire, les parents, peut-être Bassa ou bien nos grands-parents et tout, qu'ils vous disent en quoi les Bamileke faisaient le commerce sur le dos des Bassa. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ce n'est que des appréhensions, ce n'est que... Voilà. Bon. Comprenons que de tous les temps, de toutes les histoires, il y a eu ça. Alors, le Grand Ouest, c'est quoi? En réalité, il faut savoir que là, une grande partie du Sud-Ouest était l'Ouest. Il faut comprendre qu'une grande partie, et je voudrais que ce que je dis, qu'il soit traduit, hein, parce que c'est là où les Français nous ont eu, on nous a fait croire que l'anglais, pourtant, comme je dis à mes enfants aujourd'hui, beaucoup de mes enfants font la section anglophone, parce que j'ai compris les limites. Nous autres, à un certain niveau, quand on voulait avancer, ne connaissant pas l'anglais, on était butés, quoi. Donc, en fait, l'anglais, c'est la première langue du monde. Les Chinois, les Arabes, tout le monde s'exprime en anglais. Le français, c'est une langue embryonnaire. En réalité, Kagame l'avait compris. C'est pour ça qu'il avait enlevé le français comme langue nationale. C'est ce que les Gabonais veulent faire. Donc si nous aussi, nous voulons nous en sortir, nous devons nous rendre compte que le français ne nous amène nulle part, parce que le français est nulle part. Même les Français s'expriment en anglais lorsqu'ils veulent se faire entendre sur le plan international. Donc, en fait, étant dans ces limites, on a fait croire aux anglophones que ils sont à part. Les anglophones, la culture anglophone que les anglophones ont, c'est une culture qui est venue d'ailleurs. Mais les anglophones, même l'origine des anglophones, c'est quoi? Qu'est-ce que les anglophones parlent? Quelles sont les langues? Quelles sont les racines naturelles? En fait, les anglophones ne sont, une grande partie des anglophones ne sont que des Bamileke. Mais il faut que quelqu'un traduise ça en effet anglophone pour savoir que leurs frères les plus directs, c'est les Bamileke. Quand je le dis, quelqu'un va se dire que peut-être qu'il faut que je vous donne des détails. Au sud-ouest, le plus grand peuple au sud-ouest, c'est le peuple de Lebialem. Où règne un certain connu aujourd'hui parmi les rebelles qu'on appelle Phil Macha. Le peuple de Lebialem, c'est le plus grand peuple du sud-ouest. Ce peuple est composé de 24 villages. 24 villages. Vous devez donc comprendre pourquoi il est le plus grand peuple du sud-ouest. Les 24 villages du peuple de Lebialem sont originaires de l'ouest. Ils ont les mêmes cultures. Ils ont les mêmes traditions. L'Ndop étant comme l'habit traditionnel, spirituel et puissant de tout le monde. J'ai dit bien les 24 villages de Lebialem qui constituent le Lebialem sont tous, il n'y a pas un seul village dedans. Donc, on va dire que la tribu là est originaire de, ils sont originaires de l'ouest. Quand j'ai fini de le dire, je prends par exemple le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, vous connaissez la reine So du Nord-Ouest, donc qui est la fondatrice de Bamenda. La reine So, qui est la fondatrice de Bamenda, donc tous les Bamenda, donc la grande partie, c'est qui est la fondatrice de Bamenda. La reine So était la petite sœur du roi de Bafoussam, le chef de Bafoussam. Vous voyez les filiations. Ce n'est pas une affaire de tribu, je dis que petite sœur du chef de Bafoussam. Parce que le Grand Ouest, la capitale du Grand Ouest, était Bafoussam. A toujours été Bafoussam. Et c'est le grand chef du Bafoussam, sa petite sœur, qui forme Bamenda.
Vous comprenez donc l'étendue de l'Ouest. Et savoir que la grande majorité du peuple anglophone n'est qu'un peuple de Bamléké. D'où pour moi, je vous donne l'interpellation aujourd'hui. Interpellez le frère anglophone. Quand on dit les anglo-bami, c'est encore des phrases de division. Il n'y a pas d'anglo-bami. Il n'y a que des Bamléké. Donc, une partie des Bamléké est anglophone, a une culture anglophone imposée par le colon anglo-saxon. Et une partie qui est francophone. Mais il n'y a pas d'anglo-bami. Il n'y a que des Bamléké. Hein, donc, une partie est francophone, une partie est anglophone. Il faut dire la vérité aux gens. Je veux bien que les gens traduisent. Demain, peut-être je vais me doter d'un anglophone qui va traduire ce que je dis en anglais. Pour que les anglophones sachent une chose, c'est qu'en fait, qu'ils sachent que leurs frères directs... Et quand les Bamlékés supportent leurs frères de la zone anglophone, ils supportent leurs frères, qu'ils sachent qu'ils supportent leurs frères, qu'ils ne supportent pas les anglophones. Ils supportent leurs frères Bamlékés. D'ailleurs, qu'ils ont les mêmes cultures. Et tout. Ils ont les mêmes cultures, les mêmes traditions. Parce que la zone anglophone de Bamenda est une partie, une grande partie des peuples de l'Ouest et une d'autre partie des peuples Sawa. Quand vous prenez maintenant, vous revenez, et il faut que je vous dise une chose. Parce que les Bamlékés aussi ne connaissent pas, même les Bamlékés ne savent pas. Parce que quand tu es en train de parler, les Bamlékés te disent toujours que oui, l'Ouest, comme j'avais dit la dernière fois, l'Ouest c'est 14 000 kilomètres carrés, donc une partie est le Noun et tout. Le Noun et tout. Il y a même les Bamlékés qui pensent que le Noun, ils le sont, parce qu'on les a dit que les Bamouns sont des Tikars qui sortent de machin, tout et tout. Les Bamouns sont vos frères, les gars, c'est vos frères de sang. Parce que c'est lui le fondateur du peuple Bamoun, n'était que le petit frère du chef, le petit frère de celui du chef Bafoussam. En fait, la reine So, le fondateur du peuple Bamoun et le chef Bafoussam, c'est une même famille, c'est des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir, par exemple, vous voyez, par exemple, il ne peut pas avoir. Par exemple, l'intronisation, hein, le partage d'un chef Bamoun, hein, sans l'aval du chef Bafoussam. Vous le savez très bien, non? Est-ce que vous le savez? Il ne peut pas avoir. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir. Pourquoi? Dites-vous pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Qu'il ne peut pas avoir une décision d'intronisation du chef Bamoun sans le chef Bafoussam. Pourquoi? Pourquoi? Donc voilà le Grand Ouest tel qu'il était. Et il faut savoir que le Grand Ouest tirait jusqu'au Cam, une partie du Cam. Allez demander à Bernard Tutan s'il est de l'Ouest. Il va te dire qu'il n'est pas de l'Ouest. Bernard Tutan. Mais vous comprenez bien que ça saute. Bernard Tutan, Tutan, c'est donc de l'Ouest. Mais Tutan n'est pas de l'Ouest, il est du Cam. Vous savez? Parce que c'est une partie de l'Ouest. Hein, du Hong Kong qu'on a divisé, c'est comme ça qu'on a segmenté, l'Ouest pour le ramener à un petit Ouest aujourd'hui qui est de 6000 mètres carrés. Comme je répondais à mon jeune frère dans la précédente vidéo qui disait que l'Ouest, il devait mettre de l'argent pour... Mais attendez mon frère, tu ne vis pas éternellement de l'argent et de l'industrie jusqu'à mourir. Il faut un endroit où tu jouis, où les gens... Les gens, tu exposes ta réussite dans la vie et tout. Allez voir tous les grands footballeurs. Je profite encore pour répondre à mon jeune frère. Continue. Allez voir tous les gens qui ont réussi dans le monde. Ils ont toujours là où ils ont investi, hein, qui démontrent la suffisance, hein, même après leur départ, qui démontrent la suffisance combien de fois ils ont réussi et tout. Je ne veux pas m'attarder. Sur le Grand Ouest, je voudrais ramener les gens à dire que si les Bassa, l'alliance, les deux peuples, les Bassa et les Bamlékés, sont les peuples guerriers, autant pour moi, les peuples qui se sont soulevés
qui ont toujours revendiqué, qui ont exprimé leur passion pour la nation camerounaise, la nation entière. Parce que hier, quand les Bamlékés prenaient les armes, quand Ernest Ouandié faisait la guerre aux colons pendant 10 ans, il ne faisait pas la guerre pour la libération de l'Ouest. Il faisait la guerre nationaliste étant UPC6. L'UPC qui était l'union des populations du Cameroun. Donc les populations du Nord, les populations du Sud, les populations de l'Est, les populations de l'Ouest, les populations, l'union des populations. Et l'union des populations, ben c'est pour ça que le fédéralisme, nous avons en parlé, j'ai des jeunes qui m'ont exprimé, puis dit pourquoi tu t'exprimes jamais sur le fédéralisme? Je les ai répondu, mais je ne peux pas parler de fédéralisme, on peut parler de fédéralisme des peuples, alors que il n'y a pas de fédéralisme dans nos consciences. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est le travail préliminaire que je fais pour une prise de conscience. Il faut déjà d'abord savoir les qui ont ça dans le sang et qui ont toujours milité pour le nationalisme. Je dis bien nationalisme. Les Bassa, les Bamlékés qui sont restés en tête parce que de toutes les générations, ils ont toujours prêté leur personne. Et ils se sont battus. J'ai dit en dernier, là, on a vu Cabral Libye. Quand Cabral Libye monte en politique, c'est les Bamlékés qui le propulsent. Ils ne savaient pas que Kamto était là, je l'ai toujours dit. Ils savaient, non? Ils ne savaient pas que Kamto était là. Mais, et ces Bamlékés ont toujours démontré que le pouvoir, ce n'est pas ça qui les intéresse. Mais, je peux le dire à haute intelligence et en tapant la main à la poitrine, les Bamlékés ne sont jamais intéressés au pouvoir. Ils ont toujours soutenu les autres pour le pouvoir. Ils ne se sont jamais eux-mêmes intéressés au pouvoir. Ce n'est pas parce que Kamto aujourd'hui est leader politique, Kamto leader malgré lui. Parce que pendant les élections, on est même qui était derrière Cabral Libye Mbassa. À qui ils ont donné toute l'option. C'est quand ils se sont rendus compte que Kamto, si vous enlevez Kamto aujourd'hui, la seule personne qui a montré jusqu'aujourd'hui son opposition radicale, c'est Kamto. Ben, pour les gens qui veulent que le pays change, qui veulent que le pays devienne un pays positif, ils vont supporter Kamto. Mais comme il arrive donc, c'est les Bamlékés qui sont encore en tête, des gens qui s'opposent mordicus et qui veulent que le pays, la nation soit une nation forte, gagnante, une nation pour tout le monde, construite par nous-mêmes. Il arrive que l'opposant aussi, mais qu'on puisse avoir sur le terrain ne soit que Kamto. Vous comprenez que c'est ainsi dit. Bonsoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.